lâchera pas l'affaire. On lâchera pas l'affaire. On lâchera pas l'affaire. En cours de route, on y va tout chaud. Malgré les coups de blues et un moral qui s'écroule comme le cours des bourses. Écoute, on joue des coudes dans cette foule étouffante. Mec, on se débrouille en fait, en misant de chipette sur l'entraide, sans être les bienvenus. En chien de subvention, lâche plein de thunes. Dans le son, dans la peinture, en bon vers la ceinture. Dans l'ombre, les choses aboutissent. Malgré qu'on soit des gars tout pisse, on n'est pas prêt à s'accroupir afin de plaire au plus grand nombre. T'as de faux cul dans ce monde à l'imposture. Sans, et on exporte une chanson. Car dans le fond, la musique, loin des sons abusifs, ça amène trop de pure. Rencontre avec le brave gars Lucie, plus proche du tap d'usine que du palais mondain. Ici, on lâche une rime pour celui qui fait son chemin et fait croquer les copains. Même si l'aspect financier contraint l'avancée de projets concrets, contre un complexe combat qu'on mène en commun. Pour les proches mecs, ceux qui t'épannent quand t'es en galère, ceux qui méritent des médailles et qui y prêtent en appel, ceux qui te rappellent à la raison et te font relâcher la pression, t'acceptent à la maison. Quelle qu'en soit la saison, c'est pour ces bons gars qu'on se bat. On se laisse pas abattre au comptoir, on compte pas le genre art quand il faut se mettre à table. Malgré les états d'âme, les décalages, les dérapages de chacun, on essaiera de garder la foi jusqu'au sarcophage de sapin. On essaiera de garder la foi. Dans l'ombre, le futur se dessine. Vu que la lumière divine nous éclaircit peu, la fin reste une énigme à la dérive dans un milieu pernicieux et on persiste. Malgré des phases de superstition, paraît que dehors c'est l'inquisition, mais on précise qu'on est conscient de tenter de l'être. Non, sans réserve, ça en énerve plus d'un. Tant mieux aujourd'hui, les haters, ça en célèbre. Putain, c'est ironique si t'avais pas compris. On répète, la fashionnerie ici c'est pas notre style. On respecte quelques préceptes fondamentaux et nécessaires. Quand ce gars parle dans le dos des autres, on marche droit sans regarder derrière. On persévère et lâche pas le steak, post-tard la semaine. Et le week-end se fout la quiche comme une alsacienne. On mène plusieurs vies parallèles avec de nombreux paramètres à gérer. Parfois terrible, la charge de taf à faire. On va, c'est vrai, passe par des phases de stress mal gérées. Mais vu le climat de rêve ici, on garde le smile dès qu'on regarde par la fenêtre. Dès qu'on regarde par la fenêtre. C'est pour les proches mecs, ceux qui t'épannent quand t'es en galère, ceux qui méritent des médailles et qui y prêtent en appel, ceux qui te rappellent à la raison et te font relâcher la pression. T'acceptes à la maison, quelle qu'en soit la saison. C'est bon gars qu'on se bat, on se laisse pas abattre au comptoir. Compte pas le genre, il faut se mettre à table. Malgré les états d'âme, les décalages, les dérapages de chacun, on essaiera de garder la foi jusqu'au sarcophage de sapin. Propre scénariste, faut être actif et ne pas rester par terre assis dans un coma léthargique à cramer de la weed. Si on se lève la bite, c'est pour faire la diff sans se poudre les narines. On n'est pas prêt de lâcher la zic, vas-y fais tourner les platines. Comme les rumeurs sur notre compte, ça va pas nous changer la vie. Car dans le fond, on sait qu'en tant qu'unique écrivain de sa Bible, faut prendre des initiatives pour s'imposer malgré sa taille dans ce monde comme Mimi Mati. Comme Mimi Mati. Comme Joséphine Ange Gardien, quoi.